Le vendredi 18 décembre dernier, deux entités se sont mises ensemble pour offrir à Emeline Michel un hommage digne de ce nom. Là, on parle de Zagalo Productions et de Marabout Productions. Plusieurs heures à chanter et à danser les chefs-d'œuvre d'Emeline Michel, avec un public assoiffé de la présence d'Emeline, plusieurs chanteuses se sont mises à l'œuvre pour étancher cette soif et pour exprimer leur amour à la diva. Elles étaient près d'une dizaine. Darlene Desca, qui était à la ligne de départ de cette initiative, Tiffane, Choumi, Nadia Faubert, Misty Jean, Slouz, Bijou, Erika Julie Jean-Louis, Tamara Souffrin et Annie Alliot. Sur une scène balayée par la lumière tamisée des projecteurs, ces chanteuses lui ont communiqué leur amour pour sa musique et ont aussi exprimé de la reconnaissance à une personne qui leur a ouvert la voie. Après plus de 30 ans de carrière, Emeline Michel est devenue le modèle de plusieurs générations de chanteuses. Née au Gonaïves en 1967, Emeline Michel est sans conteste l'une des reines de la chanson créole et le modèle idéal pour toutes les femmes qui s'intéressent à la musique alternative. Elle a commencé à chanter très jeune à l'église, a été encadrée par Yol DeRose, elle a aussi étudié au Detroit Jazz Center avant de s'imposer en Haïti et à l'étranger, dans la Caraïbe, en Europe, en Amérique du Nord et surtout en Afrique. Et les albums qui lui ont valu cette reconnaissance internationale sont « Douvanjou »,« Pagimantinansa »,« Brome et Flamme »,« Tout mon temps »,« Bam passé »,« Code et âme », »,« Quintessence », etc. Emeline Michel est l'artiste qui marie harmonieusement des rythmes traditionnels à un contenu social et politique pour créer des œuvres originales. Elle se positionne dans la même lignée que Bito Vaoba, le groupe Bookman Experience, James Germain et autres. Cette vague d'artistes qui traite, écrit et chante des paroles réfléchies sur une gamme variée de styles musicaux, des sons typiquement haïtiens, compas, troubadou, rara, etc. Merci encore, moi espérer que vous dites ça, il était fort plaisir, même gens avec nous-mêmes dans une spotlight, lui fait mieux plaisir. Et félicitations à Darlene Desca et avec l'autre femme que nous sommes citées là, qui était prend belle initiative ça, qui c'est une soirée hommage à Emeline Michel, la diva nationale. Et sans tarder, nous allons rentrer tout de suite dans l'espace Mon Invité.